Bien bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode consacré aux pyramides du survivalisme. Aujourd'hui, on va parler des, s'il y en a qui suivent, des compétences, voyons. Allez, c'est parti. Les compétences, qu'est-ce que ça va être? Fondamentalement, ça va être de mettre en pratique les connaissances acquises au deuxième étage de notre pyramide. Tout ce que vous avez appris, pu voir, pu lire, il va falloir mettre en pratique. Et c'est pour ça que je vous dis, mettez en pratique. C'est simple, achetez un fire steel et allez essayer d'allumer un feu. Vous allez voir, peut-être vous allez y arriver en un coup, et peut-être vous allez mettre 500 coups sur le fire steel. Bon, les compétences, ça va être de mettre en pratique vos connaissances. Alors, ça va être super important, comme je le dis, de mettre en pratique. Puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors après, vous avez gagné du temps. En savoir faire un feu par friction avec différents bois. Vous avez gagné du temps. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans cette pyramide, chaque étape va rapporter quelque chose sur notre étape. J'espère que vous me suivez. Alors, les compétences, ça va jouer à peu, parce qu'on peut avoir des connaissances en tout, en plein de choses, mais la compétence, ça va être dur. Mettez en pratique, c'est super important. Lisez, emmagasinez, mais surtout, mettez en pratique. Les choses que vous apprenez, ça peut que aider dans la survie. Et au moment où on se retrouve dans une situation où on est dans la merde, là, je pense, on n'a pas le choix de se dire c'est maintenant or never. Bon, maintenant pratique, c'est super important. Donc, sur la compétence, il n'y a pas plus à dire. Je veux dire, faut y aller quoi. Donc voilà, moi je vous laisse pour ce troisième épisode et moi je vous dis abonnez-vous, laissez des coms, des likes ou pas des likes si vous aimez pas, voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode. Ciao.